Vous savez que dans ces séries de vidéos, je vais d'abord faire une approche, des petits trucs simples, des petites astuces, des petites façons de faire qui ne sont pas compliquées à comprendre, et qu'après on rentrera plus tard dans le détail des choses intéressantes. L'alimentation qui fournit l'énergie à notre organisme, ce sont les macronutriments. Il y en a trois familles, les glucides, les lipides, les protéines. Ce sont des mots que vous avez déjà entendus, on se penchera plus tard sur exactement à quoi ça correspond. On va faire une approche très très simple. Les protéines, en gros, ce sont les muscles. Les lipides, ce sont les graisses. Les glucides, ce sont les sucres. Si je vous en parle, c'est pour essayer de comprendre un petit peu l'intérêt et surtout les dosages. Dans la vidéo sur le jeûne, je vous ai dit que l'organisme se nourrissait de sucre. Pour autant, il ne se nourrit pas particulièrement de glucides. Je vous ai bien dit que quand vous n'ingériez plus de glucides, eh bien, il allait chercher dans ses réserves de protéines et dans ses réserves de lipides, donc dans ses réserves de muscles et dans ses réserves de gras, pour les transformer en sucre qui va lui être utile. Et en fait, si vous mangez des glucides, eh bien, vous allez stocker beaucoup trop de sucre. Donc on va essayer toujours d'aller vers une alimentation avec des protéines et des lipides, mais pas trop de glucides.